Elle a passé plus de 100 ans auprès de son piano. Mais Colette Maz est toujours aussi attentive. Surtout quand il s'agit de transmettre son savoir aux jeunes pianistes. Vous voyez, c'est une eau un peu figée, à mon avis. Quand vous commencez, ça remue, c'est des étincelles. Enfoncez vos doigts déjà dans le piano. Par exemple, quand vous faites ça, boum ! Ne faites pas ça. Non. Elle a 103 ans et elle veut laisser une trace. Colette Maz vient d'enregistrer un disque. Elle y rend hommage notamment à Claude Debussy et à d'autres grands compositeurs. Les images, les reflets dans l'eau, hommage à Rameau, mouvement. Oui. Et ensuite des choses plus dansantes, plus contemporaines comme Mompou, Ginastera, Piazzolla, un Italien haut en couleur. 100 ans de piano, vous vous imaginez faire 100 ans de piano ? Non, j'imagine pas, je suis dedans. C'est pas de l'imagination, c'est de la réalité, hélas. À cet âge, pour conserver sa virtuosité, Colette doit s'exercer 5 heures par jour. Quand vous avez ça, vous avez des quantités de mouvements. Exercice au piano, mais aussi assouplissement. Colette Maz est professeure de musique. Par terre. Mais aussi une ancienne danseuse. Le mieux. Difficile à croire, mais cette femme est bien centenaire. Vous faites le chat, et puis vous enroulez chaque vertèbre, l'une après l'autre. Les abdominaux travaillent. Comment vous vous sentez physiquement ? Ah ben bien, il faut tout dérouiller. Vous voyez, quand on fait du piano, on travaille tous ses doigts, le poignet, le cou. Ben, le corps, c'est pareil. Je pense que si vous faites ça, vous pouvez sauter. Sans ça, vous marchez comme une petite vieille, comme ça. C'est pas possible. Il faut toujours aller plus loin que ce qu'on peut faire. Dépasser ses limites pour retrouver sa vraie forme. De l'énergie à revendre. Même Adèle, son aide à domicile, a du mal à suivre le tempo. Pourtant, 40 ans les séparent. Non, on ne va pas. Oui. On attend Madame Maz, le bonhomme n'est pas vert. Oui, là, on y va. Madame Maz a 104 ans, moi j'ai 64 ans. Mais elle est en meilleure forme que moi. Moi, je suis très fière d'être avec Madame Maz parce que non seulement de par son âge, mais en plus sa vitalité, son humour, ses rires, elle a gardé son âme d'enfant. Ah, c'est joli ça. Et si c'était ça le secret de la longévité ? Rester espiègle, même un peu fantasque, bref, profiter de chaque instant. Madame Maz est quelqu'un de impatient. N'est pas patiente du tout. Ah oui, hein, pas du tout. Toujours, il faut que ça aille vite. Ouais. Mordre la vie à pleines dents, même à 103 ans, et surtout, ne jamais se relâcher. C'est important de se soigner. C'est important de tirer le meilleur de ce qu'on est. Alors le coiffeur, il arrange. Coiffeur, gymnastique, piano, les journées sont toujours bien remplies. Même si Colette est autonome, son fils vient souvent lui rendre visite. Voilà, des petites crudités, ça fait jamais de mal. Ensemble, ils ont leurs petites habitudes, comme ce verre de vin rouge quotidien. Ah, t'as l'amour ? Oui, au tien aussi d'ailleurs. Je pense que ma mère montre qu'effectivement, la vie n'est pas terminée à 80, 90 ans, même 100 ans, et elle le prouve. C'est-à-dire que quand on a une passion, eh bien, on continue. On continue avec enthousiasme et je pense qu'elle porte toujours un regard émerveillé sur la vie. Et je pense que ça, c'est le secret. Ce qui compte, c'est d'avoir un petit peu envie et d'avoir des passions.
si vous avez envie de rien, que de regarder le journal du soir, vous êtes enterré. Jamais vous ne pourrez, je crois pas, demander à mon fils sur un fauteuil à mâcher comme ça. Et ça tombe bien, Colette Maz a encore plein de projets. Dans quelques mois, elle enregistrera un nouvel album. Elle aura alors 104 ans.